Fractured Minds. Je vais juste un peu fort pour moi. C'est un peu tard. Et voilà. Alors, c'est parti. Vivre sa vie dans un autre recoin de son esprit revient à être prisonnier de là où on se trouve. Shannon Ladler. Du coup, je le découvre en même temps que vous. C'est déjà pas les touches, ça c'est pour sauter. Et le reste, je sais pas. Et Reblade. Pardon. Je sais pas les touches. Je sais pas si en vrai on peut. Voilà. Si on peut s'accroupir ou pas, je sais pas. J'ai vu pour sauter, mais pour prendre, et c'est tout. On va dire que c'est déjà pas mal, là. Ah, ok, ok. Bah là, j'en ai que deux, en vrai. Respira. Alors. Ah, c'est chaud quand même à gérer. Oh. Ah, je commence super bien en vrai. Sérieux. Oh là là, hop. En vrai, ça troll, il n'y en a pas de vrai. Moi aussi, Spira, je devrais déjà dormir, t'inquiète pas. J'ai découvert ce jeu en allant sur Play Store et j'ai trouvé vraiment sympa. C'est une jeune de 17 ans qui a créé ce jeu pour faire découvrir les maladies psychiques. Et j'ai vraiment trouvé l'idée géniale. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais le prendre. Et je vais le streamer. Par contre, là, je trouve pas la clé. Je suis déjà trollé sur le début. Ah ouais, j'ai pas vu là. Par contre, je vois plus. Voilà. Non, c'est toujours la mauvaise.
Ah ouais, c'est pas. Mais je crois que j'ai tout fait, c'est ça que je comprends pas en vrai. Je sais pas ce qui me manque en vrai, hein. Ah, courir L1, action X. Ok, j'avais pas vu par contre qu'on pouvait courir. Ah ouais, sympa. Oui, la bonne clé enfin. Ça y est, Wizbot s'est réveillé. Alors moi j'ai ce bug, mais je sais même pas d'où ça vient. Hein. J'ai vraiment pas trouvé. Ah mais non, il faut se bander les yeux en vrai. Alors. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Oui, ça oui, c'est sûr. Bah oui. Ah bah je dois déjà... Ah ok. Bah du coup je pensais mal faire. Je pensais bien faire mais... Bah vas-y, tu veux pas? Pourquoi il veut pas? Oh, ta race. C'est quoi ce délirium, sérieux? Ça, je peux pas, on est d'accord. Ah, ok. Oh, j'ai rien dit. S'il n'y a pas d'aiguille, c'est sûr que tu peux pas l'accrocher, je suis con. Faut être précis ou quoi? Ou du coup c'est là qu'il faut le bandeau. Ah ouais, ok. Ouais. Effectivement, c'est des tout petits niveaux sympatoches, hein, mais vraiment tout petits en fait. Mais très très sympa. Merci beaucoup, Bled. Celui-là était plus facile, j'avoue. Alors, je ne comprends pas l'anglais, donc. Ah, j'aime, I like. J'ai compris, enfin, j'ai lu Ayuk. Uka, je comprenais pas. J'aime la pluie. Ah, on a vu un perso sur... Ah ouais, effectivement, avec l'orage, on voit des persos. Ouais, à fond. Bah, c'est ce qu'elle a voulu faire, justement, créer un jeu pour que les gens puissent mieux se rendre compte de ce que certaines maladies... de ce que certaines maladies psychiques peuvent faire voir, en fait. Parce que les gens se rendent pas compte, en fait. Bah, enfin moi non plus, hein, suivant quelle maladie, mais c'est monstre intéressant. Ah ouais, là du coup c'est déformé en hauteur, ouais.
Bah du coup, heureusement que t'es là pour traduire, hein. Bah ça, du coup, j'avais pas tout compris. Ah, ok, c'est un piège. Ah, en fait, c'est l'esprit qui dit, ne sors pas, ça te plaira pas. En fait, c'est un piège pour rester enfermé dans sa maladie, en fait, c'est ça. Ne pas ouais. C'est vachement intéressant. Zone de confort, du coup le trophée c'est zone de confort, ouais. Du coup ça montre comme quoi il faut malgré tout essayer, même si on est rassuré dans une situation, il faut pouvoir malgré tout se bouger, enfin se bouger façon de parler, mais essayer quand même malgré tout d'essayer de la nouveauté, d'avancer, ouais. C'est vachement intéressant. Sur les Natel. Tu m'étonnes, génération pourrie. Oui, c'est ça. Comme quoi, au final, l'esprit dit que c'est terrible, mais c'est pas si terrible que ça. Pourquoi je peux pas avancer en vrai? On est enfermé avec les gens là. C'est particulier quand même. Hein. Oh merde, je me suis fait écraser, j'ai même pas fait gaffe. Ah ok. Ah oui, c'est marqué paranoïa. Putain, je sais même pas lire en vrai. Donc il faut trouver je sais pas quoi, les toits, le sens d'orientation je pense, la vue, j'ai pas tout compris. Ah il y a des symboles derrière, ok. Je me souviens déjà plus, la vue. C'est quoi déjà pour courir? Je ne sais plus. Ah, je sais même plus ce que c'est. L1 et je sais plus quoi. Ah putain, il fait flipper celui-là. C'est bon, je l'ai pas croisé. Me casse. Par contre, c'est quoi déjà pour courir? L1 et. Oui, ça j'ai vu. Je sais pas ce que c'est pour courir, je me souviens même plus. Pas de soucis ma belle, t'inquiète pas. Je me suis bien douté.
Par contre, j'ai pas fait gaffe au titre. Là, du coup, j'ai sauté, hein, même si on voyait pas. Non, même pas. Ah non, j'avais pas sauté. Je me noie. Ok, ouais, le titre est venu après. Ah ouais, voilà, bah c'est ça. Ne va. Oh, ne. Je commence super bien en vrai. Hein. C'est chaud, quoi. Alors, mouvement détecté, c'est machin, ok. Mourir. Ah, il faut trouver un mot de passe, hein. Tu m'étonnes, c'est pas si simple. Oh là là, il faut trouver les piles d'abord. Non, pourquoi je pouvais pas retourner en... Ah, sérieux, ça m'a bloqué. Tu dois vraiment aimer ces lumières. Ouais, je suis un peu parano, ouais, je suis un peu parano, n'importe quoi. Je dis vraiment de la merde, en fait. Oh, mais sa mère, putain. Ok, ne m'écoute pas. J'ai eu plein de trophées. Ouais. Tu le fais exprès. Ouais, presque, hein, on pourrait croire, hein. Je comprends rien, ouais. Allez, je peux pas bouger en vrai. Ça me bloque. C'est quoi, what? Sérieux, quoi? En fait, on peut pas bouger en fait réellement quoi, c'est obligatoire en fait. C'est obligé de se faire avoir quoi, c'est ouf quand même. C'est pas logique hein. Ah non, c'est bon, je peux bouger. Ah, un troll encore une fois, tu m'étonnes. Ah. Ça, mercredi matin. Faut que je trouve la deuxième, du coup, c'est ça. Ah, bah c'est cool, tant mieux alors. C'est tant mieux. Non, j'ai failli me faire avoir, ça va. Sérieux quoi. Heureusement qu'il y a que trois lumières rouges, hein, je vous le dis, parce qu'il y en aurait plus, c'était la dèche. Hein. Toi, bouger ou pas? Ah, ça y est, bouge quand je décide. Vas-y, tu te fous de ma gueule ou quoi? Alors. Bon, tu bouges. Alors, je vois pas bien en fait. En réalité, moi je suis aveugle. Du coup, c'est marqué, il hante ton monde. Ah, 0834. Ah ouais, mais non, mais je vais le lire en vrai. Ça fait moche. Il hante. Ouais, mais en fait, je vais me faire avoir par la lumière rouge. Donc, je vais essayer de me mettre là pour essayer de lire de loin. Et en fait, c'est mort. Il faut vraiment être proche. Il hante ton monde. Vivant sous son ombre, l'ennemi invisible. Ça doit être ça. Merde, c'est quoi déjà?
Putain, je sais même plus. Ah, la mémoire, sérieux. 0834, c'était ça. 08. Ah, j'ai cru le mot de passe incorrect. J'ai bugué. Ah ouais, bah je suis bête, je me demandais ce qu'il fallait faire du coup. C'est gentil, merci beaucoup Blade. Monstre. T'as dépassé les bornes cette fois-ci. Tu ne peux pas faire demi-tour. Tu n'as plus le choix. C'est un peu ça en fait, hein. Il n'y a plus le choix quoi. Ça, tu m'étonnes. Ça fait très, ouais. Dire un psychopathe qui a enfermé mon cœur. Je cherche quand même au cas où il n'y a pas un truc à ouvrir entre temps, mais. Salut mon poteau. Ah du coup c'est fini? Ah il est là le gars. En fait il est un peu mignon. Il est très mignon en vrai. Ça y est, je suis bloqué. Il m'a coincé. Oui. Bah à être trop dans la maladie, le corps, le cœur et le corps fatiguent, ouais. Merci. C'était logique en vrai, hein. Dans un ordre précis en fait. Bah non, c'est même pas ça. En fait, ça pète tout le temps. Ah, mais j'ai pas vu la quatrième en vrai. Je suis ouf. Oh là là. Pensez à l'étrange no à Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est marrant. Hein. Créé par Emily Mitchell, qui je rappelle a 17 ans. Donc gros GG à elle et c'était vraiment vraiment excellent. Tu peux l'entendre dans le silence presque assourdissant. Peut-être que si tu te caches, il ne te fera pas de mal. Peut-être. C'est toi qui l'as créé. Pourquoi ne peux-tu pas le détruire? Il veut te voir oublier. Oublier que vivre avec un monstre te donne du courage. Oublier que supporter son fardeau te donne de la force. Oublier qu'il fait de toi ce que tu es. Tu es son pouvoir et sa vie. Sans toi, il n'est rien. Je l'ai dédié à
à tous ceux qui souffrent. J'en ai eu les larmes aux yeux à force d'être dans l'émotionnel à fond là. Je pensais très fortement à des proches qui ont. qui le sont du coup. Du coup. Pardon, désolé pour la. Donc au final, il faut pouvoir se battre. Alors, mais une très belle histoire car ça, qui se finit bien, qu'elle se remet en question à la fin. Comme s'il regardait dans un miroir et se demandait s'il était vraiment... Exactement, c'est ça. C'est exactement ça, Blade. Franchement, je pensais pas aussi court. Alors, tu me l'as dit, hein, mais j'étais préparée, mais en même temps, je m'y attendais pas. Mais vraiment, vraiment très, très prenant et vraiment excellent. Et il est vraiment pas cher. Donc, enfin, c'est un peu logique en même temps. Hein. Mais j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc voilà, c'était vraiment un mini-live parce que ce soir, je suis un peu crevée. Donc voilà, bah merci beaucoup à tous d'être passés. Ça m'a fait super plaisir. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Et vous rappelez, battez-vous toujours. La vie en vaut la peine. Allez, sur ces paroles, je vous souhaite une excellente nuit. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Alors... Oui, entre 20 et 30... Ah oui, bah oui, c'est ça. Merci beaucoup à toi, Blade. Merci beaucoup à toi. Et à tous ceux qui sont passés. Et une très très bonne nuit. Et à tout bientôt. Gros bisous, bye bye.